Le programme de soins infirmiers au Cégep Garneau, c'est un programme de 3 ans qui vise à développer des compétences relationnelles, pratiques et scientifiques pour bien préparer les étudiants au marché du travail de la profession d'infirmier et infirmière. C'est un programme aussi qui peut être fait en 2 ans, donc un programme intensif. Nous formons des spécialistes de la santé qui vont être prêts à intervenir auprès de la clientèle à toutes les étapes de leur vie, du nouveau-né à la personne âgée. Grâce à plusieurs situations cliniques, on est capable de développer les compétences cliniques des étudiants, autant en chirurgie, en médecine, et ça facilite l'insertion professionnelle. Au Cégep Garneau, on a la chance d'avoir un pavillon qui est dédié aux soins infirmiers. C'est une chance pour les étudiants. En plus, on a un centre d'immersion avec des mannequins interactifs qui nous permet, par des systèmes de captation, d'observer les étudiants et pouvoir faire des retours en petits groupes dans un milieu qui est convivial et sécuritaire. Au Cégep Garneau, on offre des stages aux 6 sessions, ce qui est un plus pour les étudiants. Nos finissants, en plus, se trouvent des emplois dans divers milieux, dans les centres hospitaliers, évidemment, mais aussi en CLSC, en CHSLD. Ils peuvent aller travailler dans des pharmacies, dans des écoles, en recherche. Il y a une panoplie d'emplois qui s'offre à eux. Le programme en soins infirmiers m'a permis d'apprendre à évaluer l'état de santé d'une personne. Et c'est tellement vaste comme métier. Tu peux aller en chirurgie, c'est possible d'aller en médecine. On peut travailler même dans les écoles. C'est sûr que pendant la formation, on est vraiment à l'hôpital. Mais c'est tellement un beau métier. Les professeurs sont là toujours pour nous. On peut poser des questions, on est préparé. Il y a des simulations cliniques aussi qui se font ici à l'école. Je suis finissante au programme de soins infirmiers au Cégep Garneau. Pour moi, le programme, ça m'a vraiment permis de développer une autonomie, puis une débrouillardise, puis une pensée autonome. En fait, ça m'a permis d'avoir des stratégies d'études qui me convenaient, de travailler à mon rythme et d'apprendre à la façon qui me convenait. Ce qui est vraiment bien dans notre formation, c'est qu'on a accès au centre de simulation clinique Haute Fidélité. Alors, c'est un local à la fine pointe de la technologie qui a des mannequins robotisés. On peut faire des manipulations dessus, donc ils respirent, ils parlent, ils ont un pouls. Alors, on peut vraiment pratiquer une situation réelle qui pourrait être vraiment stressante dans un environnement qui est sécurisé et qui est encadré par les professeurs. Donc, ça nous permet d'être vraiment prêts là, pour notre pratique dans les hôpitaux. Étant en fin de parcours, avec tout le soutien que j'ai reçu ici, je me sens vraiment prête à débuter ma carrière d'infirmière. Le CHU de Québec accueille les finissants du Cégep Garneau depuis de nombreuses années. J'ai eu la chance d'en côtoyer plusieurs en raison de mon rôle dans l'intégration des nouveaux employés. Dès leur première session, les étudiants ont la chance de commencer leur carrière comme préposés aux bénéficiaires. Le CHU offre la formation de déplacement sécuritaire des bénéficiaires. Le CHU offre plusieurs opportunités d'emploi étant donné le nombre de spécialités que possèdent les 500. Pour ma part, le programme en soins infirmiers, il m'a permis d'exploiter mon intérêt pour les sciences de la santé tout en ayant le côté contact humain que je recherchais dans une profession. Les professeurs sont vraiment disponibles, ils sont toujours là pour répondre à nos questions. À Garneau, on utilise l'approche par problème. Pour moi, cela a vraiment été une bonne façon d'apprendre étant donné qu'on va faire nos recherches par nous-mêmes pour ensuite revenir en petit groupe partager nos idées ensemble. J'ai hâte de mettre en pratique dans mon métier d'infirmière tout ce que j'ai pu apprendre ici.